Oui, c'est très important pour nous de monter en puissance en termes de formation. L'OM n'est pas le club de référence le plus connu ou réputé en matière de formation et on voulait changer ça. Alors évidemment, c'est une tâche de long terme, c'est une mission de très long terme, mais on commence avec d'abord des équipements affichant les plus hauts standards de qualité et c'est le cas avec notre campus ici à Mazargues, dans le centre-ville de Marseille. Et donc on est fier de pouvoir inaugurer ce lieu qui va être un lieu de convergence de tous les jeunes talents de Marseille et de sa région, parce que ce seront là que non seulement nos équipes de jeunes viendront jouer, mais vous le savez, les équipes de nos clubs partenaires. Et donc pour nous, c'est très important. Quant au football féminin, on y croit, on y tient. C'est vraiment un axe important. On croit à la montée en puissance du football féminin. Il y aura une Coupe du Monde. On avait une belle équipe la saison dernière, enfin en tout cas dans notre première saison dans l'élite, avec cette quatrième place qui a surpris beaucoup de monde et puis de moins bons résultats la saison passée. Mais on a envie et on pense que notre place, c'est d'être en division 1 et on va tout faire pour y revenir très vite. Absolument, et vous voyez que dans Marseille, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui encore, il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient là avec leurs crampons et qui jouaient dès le plus jeune âge, et on aime beaucoup voir ça. Et donc, on va continuer à mettre en place un projet pour le football féminin qui sera, je l'espère, un projet de qualité.